hommes et des femmes qui n'ont pas demandé à partir dans les flammes sans vêtements ignifugés. Le soir on les acclame, eux auraient préféré ne pas braver le diable chaque jour en allant bosser. Ça fait déjà longtemps qu'ils se tuent au labeur. Ces gens offrent leur vie le plus souvent à contre-cœur. Car loin des beaux discours, des belles mélodies, s'ils s'acharnent de nos jours, c'est pas par philanthropie, c'est une question de survie. C'est une question de survie. C'était un chanteur, un simple chanteur, qui se pensait sympa à remercier un livreur, qui choisit selon lui de venir travailler, guidé par le sentiment de vrai pour l'humanité. Il omet de se dire que c'est peut-être pour faire son beurre, que s'il fait partie de ces gens qui sortent et qui meurent, ce n'est pas par amour, il aime par philosophie, que son patron lui est pour, que son statut est pourri. Il ne l'a pas choisi. D'autres ont choisi pour lui. Ce sont des petits bonshommes, puissants petits bonshommes, pénaux, vilains, sans cœur, des prédateurs en somme, qui obligent des gens à faire don de leur personne, afin que dans leur poche l'argent toujours résonne. Comme dans les colonies, l'esclave spolié de sa sueur, comme dans certains pays, des gamins triment des heures. Quel est ce vieux discours qui croit qu'en disant merci, on puisse calmer la douleur et rendre enfin digne la vie de ceux qui vivent à servir. De ceux qui vivent à servir.